Le temps pour répondre à quelques questions aussi. Sylvain Moniquet, est-ce qu'aujourd'hui est une opportunité, une occasion pour vous? Oui, on verra bien comment ça se déroule au début de la course, s'il y a des hommes forts qui partent dans l'échappée. Là, je pense que je devrais essayer d'aller avec, mais je n'ai pas trop envie d'essayer d'user trop d'énergie en ce début de tour. Je vais surtout me focaliser, à mon avis, sur le final aujourd'hui, et parce que c'est un final qui me convient, tout comme Andreas Krohn, qui est troisième au général avec le maillot blanc. Donc, on va essayer de rester au maximum avec lui. Et on va essayer de rester avec les meilleurs. Le général, ils vont se battre chaque jour, j'ai l'impression. Ouais, surtout, ça va être très... Ça va être difficile de garder la place générale jusqu'à la fin du tour, étant donné les deux dernières étapes en ligne très, très difficiles. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats au général sur ce tour. Et pour le moment, on est bien, donc on va pas se plaindre. Mais on vise de toute façon davantage une victoire d'étape plutôt qu'un général. Merci Sylvain. Je sais pourquoi hier,